Hey yo tout le monde les amis, c'est Vilains5, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de ce 20 mai. Aujourd'hui pour tous les 20 du mois, vous savez que c'est Minecraft. Et pour Minecraft, je vous avais promis un petit Cluedo. Un Cluedo, les méchants Disney, mais bon vu que je sais pas trop bien faire le jeu Cluedo, je l'ai fait en mode... parcours, comme le Doki Doki Literature Club que j'avais fait la dernière fois. Vous pouvez regarder ma vidéo, voilà. Donc, nous avons comme méchant Disney du thème Cluedo, nous avons le docteur Facilier de La Princesse à la Grenouille de 2009, nous avons Madame de Trémène de Cendrillon de 1950, Jafar, bien entendu, qui est mon préféré, de Aladdin 1992, on a Ursula qui vient de La Petite Sirène 1989, ouais je me rappelle les dates, La Mère Gothel qui provient de Réponse 2010 et Gaston de La Belle et la Bête de 1991. Et voici le distributeur qui nous fera choisir au hasard quelle épreuve allons-nous commencer. Et nous allons commencer cette épreuve avec Madame de Trémène. Ok, bon, allons-y. J'essaie d'arriver. Madame de Trémène. Ferme pas la porte. Ah, mission. Obtenir les plaques et boutons sous les douches. Madame de Trémène, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh là là, je sais pas. Celui-là peut-être. Allez. Prêt? Oh! Oh! J'ai réussi en un seul coup, c'est pas possible! Je croyais que c'était. Je croyais que j'allais avoir de la lave parce que, en fait, je me rappelais même plus de là où j'avais mis les trucs, tu vois. Ok. Alors, pour le truc. Si la lave tombe, elle va pas s'écrouler jusque là puisque j'ai mis des tapis qui permettent d'empêcher la lave de s'éparpiller. Je crois que c'est ici. Allez. Hop. Oh punaise. Oh punaise. Je pensais que ça allait... Je pensais que ça allait empêcher les trucs. Ah non. Oh non! Bon bah c'était pas ici! Allez! Oh là 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 là! Où est-ce que je dois aller? Bon, je vais faire celle-là. Hein. Allez! Oh mais c'est pas vrai! Oh c'est pas vrai! Je me suis encore pris de la lave! Bon! C'est à la troisième fois, j'y arrive pas! Non mais c'est pas, on est pas sérieux. Attendez, je suis le créateur du jeu et voilà que ça me met assez... Vous n'êtes pas sérieux les gens, vous n'êtes pas sérieux. Mais vous n'êtes pas sérieux. Oh putain, mais vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas sérieux. Oh, c'est pas... Bon bah, la dernière alors. Hein. Ici, cette fois, j'espère. Mais c'est pas vrai. Mais pas de bouton. J'ai juste une plaque. Attendez. Ouais, bon, on s'en compte. Hein. Bon, bah, on va utiliser ça. Ouais, super, un levier. Allez, je peux m'en aller. Ouh. Ah là 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 là. Bon, celui-là. On va enlever le levier. Ah. Bon, bah, hop. Voilà. Je m'en fous, c'est moi le créateur. Ok, ça, c'est Jack qui est le prochain. Gaston de La Belle et la Bête. C'est parti, mon kiki. Nous nous retrouvons chez Gaston. Oh, attends, c'est écrit quoi? Gaston, ok. Enfin, Gaston de
pas Gaston de Franquin, même si j'ai vu le film Gaston, il est vraiment excellent. Je vous conseille d'aller le voir. En streaming, bien sûr. Mission, tirer sur les 15 cibles avec une arc. D'accord, ça doit être dans le coffre. Ouais, ouais. Ok, mais vu que je suis en créatif, il n'y en a pas besoin de la flèche. Allez, faut bien viser. Je vais viser le haut. Ouais, bon, ça compte, hein, non? Non? Allez. Oh, mais c'est pas vrai! Attends, je vais le mettre comme ça. Ah bah voilà, j'en ai eu un. Allez, un deuxième. Non. Bon, deux, ça compte. Bon, c'est pas à côté, mais voilà. Ouais, bon, allez. Oh. Mais... Ah, je vais pas y arriver. Oh, zut. Pourquoi ils ont pas mis des cibles? Allez. Oh, mais j'ai tiré un cible, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Merci, putain. Ah bah voilà. Ouais, je peux me déplacer comme ça sinon. Je tire. Là. Bon. Il ne me reste plus qu'une dernière. Oh, c'est pas vrai. Bon. Bon les amis, je crois que c'est un échec total. J'ai même pas réussi. Hop. Bon allez, moi je prends le levier quand même. Allez, ciao. Je suis un gros raseur, moi. Bon, allez, ciao, ouais, vous savez quoi? Voilà, hein, j'ai gradué. On se retrouve encore une fois, et cette fois, nous allons avoir Ursula de la Petite Sirène. Bon, j'espère que ça va être facile comme tout, parce que moi, j'ai... Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Mission. Franchissez rapidement le chemin de verre. D'accord. J'ai pas d'escalier. Comment faire? J'ai pas d'escalier. Je mettrai un escalier pour vous la mettre dans le dans la description, la map. Allez, c'est parti. Oh non, mais ça c'est de la triche. Oh, oh, oh. Ça pas de la triche, ça. Ouais. Oh, c'est comme ça. C'est pas vrai, mais qui c'est? Non. Ah, mais les méchants sont vraiment gagnants. Hein. Oh là là, mais c'est les méchants qui vont gagner, c'est pas possible. Ce sont les méchants Disney qui vont gagner. Déjà que Madame Tremaine a gagné, Gaston aussi. Ursula, je pense, ça va être. Ah, mais c'est pas vrai. Mais non, mais c'est... Ça fait n'importe quoi! Putain! Bon, je vais essayer encore deux fois. S'il y a deux fois, je n'arrive pas, c'est bon, hein, eux. De toute façon, je crois pas... Vous n'êtes pas sérieux! Allez! Je me suis bien loupé. Ok. On va réessayer. Mais... Ah non, mais c'est de la... Bon, vous savez quoi, les amis, c'est bon, hein. Allez. Je m'en fous. Voilà. Hop. Bugué. Oh bah voilà. Hop, comme ça. Voilà. Je prends mon levier et je me casse. Oh là là. Les méchants Disney sont beaucoup
sont beaucoup plus forts que je le pensais. Je vous jure, ces méchants sont beaucoup trop forts. Trop forts. Qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Non. Franchissez l'arrivée sans tomber. Non. Je vous jure, les amis, je n'y arriverai jamais. Ah, ça, c'est un bon début. Très bon début. Allez. Je vais pas y arriver. Les amis, je vais pas y arriver. C'est pas possible. Ah, bah, il y a une échelle. Merci, docteur Facilier. Oh là là. Ah, je vais pas réussir. J'ai déjà pas réussi les trois. Alors, celui-là, je vais pas la réussir non plus. Hein. Ouf. Allez, sans tomber. Attends, mais il bug. Ça bug le jeu, c'est pas possible. Oh, oh, je suis créateur du jeu, et voilà comment tu me... Franchement. Mais... J'ai réussi ça, heureusement. Oui. Oui. Ça y est. Il y aura un... Vous voyez cette rage qui est en train de monter dans la tête? Bah ça c'est moi. Allez, mais... Ah, bon, vous savez quoi les amis? C'est bon, j'abandonne. J'abandonne, hop, le docteur a gagné, une fois de plus. Mais je récupère quand même le levier en l'air. Hein. Voilà. Je suis un mauvais perdant, je m'en fous, j'assume. Je suis un très mauvais perdant. Et en plus, c'est mon anniversaire le 23 mai, dans 3 jours. Alors, puisqu'on est le 20 mai... Mais... Oh. Voilà. Mais... Hop, vous savez quoi? Il a gagné. Hop. What the fuck? Bon, on va faire maintenant la mer Cotel et après on finira par Jafar. J'ai pas réussi cette fois. J'espère que celle-là je vais la réussir. Alors, quel est le nom de famille de réponse? Corona? Virus? Colette? Coraline? Alors, Coraline, c'est le film d'animation avec la marionnette, la maman qui veut transformer Coraline en poupée. Je préfère pas savoir. Colette, c'est le nom d'un membre de ma famille, d'une de mes grandes tantes, grande-tante, ouais. Et, enfin, je crois, grande-tante Colette. Colette. Bah, je dirais Corona. Et oui, c'était Corona. Alors, comment s'appelle le caméléon? Pascal. Trop simple. Quel est l'objectif de la mère Gothel? Avoir la jeunesse éternelle. Voilà. Putain, ça c'est facile. Qui délivre réponse de la tour? Oh, le prince charmant. Non, ça c'est dans Cendrillon. Le roi Charles. C'est quoi ça? Là, c'est Flynn Rider. C'est Rider. Trouve cette phrase. Les frères Stalingrad, Skellington. Stabbington. Ouais, bon, allez, celui-là. Comme si je connaissais pas. Il y a que ça que... Quel est le symbole du royaume? Alors, les questions, c'est pas moi qui les ai faites. C'est Oliver qui me les a faites. Quel est le symbole du royaume? Ah, c'est une fleur. C'est une fleur. Quoi?
c'était pas une fleur. D'accord. C'est un soleil. Oh punaise, c'était un soleil. Allez, j'ai un levier. Ouais. Allez, doux. Ah, merci Oliver. Hein. Merci fiston. Allez. Il y a combien de portes? Hop. La mergotelle, c'est fait. Allez, je vais faire la suite de Jaffa. Et après, ce sera fini. On a fait combien de temps? 18. Oh là là, 18 minutes. Alors, trouver le bouton caché dans les coffres. Oh, oh c'est pas vrai. Oh, je jouis. Je serais pas en train de te branler là. Allez. Non. Y'a rien. Putain. Y'a rien. Alors désolé si je fais le truc un peu vite, c'est parce que j'ai besoin de. C'est parce qu'il faut que je prépare aussi, que je finisse les préparatifs pour l'émission spéciale anniversaire dont les 101% méchants, dont je prépare un petit gameplay en deuxième partie. Je pense que je vais faire du Happy Wheels en deuxième partie. Je sais pas. Non, pour la deuxième partie, je vous montrerai du... Ou non, je parlerai... Non, je sais pas. Je verrai bien ce que je ferai en deuxième partie de 101% méchant spécial anniversaire parce que vite que je fête mes 25 ans lundi, 23 mai du coup. Ah, mais c'est pas vrai, ils sont où? Mais il est où ce levier? Oh là là! Oh là là! Il est où ce levier? Mais, ah! Non. Mais... Attends, mais... Oh putain! Il était là! J'ai fait tous ces moments pour rien! Bah, il est où? Bah, il est où? Bah, il est où, mon le bouton, il... Ah, mais il est là! Oh, bâtard! Ah, putain! Oh, mais quel nul! Mais quel nul je suis! Allez! Bah, j'ai quoi? Bon, bah, c'est pas grave, hein! Bon, bah, je pense que la majorité gagnante est au méchant Disney. Donc, bravo aux méchants Disney qui ont gagné cette partie de Minecraft avec leur épreuve. Franchement, les épreuves pour moi, c'était vraiment pas facile. Et en plus que niveau Minecraft, je suis pas vraiment, vraiment doué. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo de ce mois-ci vous aura beaucoup plu. Ouais, franchement, ils sont trop forts les méchants Disney. Ils sont beaucoup trop forts. Je vous jure, j'ai pas réussi. La majorité des méchants sont trop forts. Donc si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh putain. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était bien Live. Et n'oubliez pas, are you brave enough? Allez, des bisous.